monter là. Ah bon, on peut pas. Ici. Ah bah, y a pas un singe qui a besoin d'une main ou quoi? Enfin, qui avait une main. Il y a une main où on peut poser un truc, mais. Il est où? Il suit les singes qui montrent une direction. Je sais pas où elle est. Qui montre une direction. Ah, ça a touché. Trop loin pour aller voir. Ça a encore touché. Sauf que ça n'a rien fait péter. Moi je suis sur la façade en train de monter, il y a plein d'endroits où tu peux monter. De plus en plus. Where is the monkey? Non, il y a un cercle bizarre. Ah, attends. T'as rêvé ou? T'as rêvé de quoi? Don't touch. Non, j'ai vu qu'il y avait un truc. Quelque chose de lourd peut être placé ici. Ah, on peut pas monter son contact. Hein. Bon, on peut pas monter. Ça, on peut pas monter. Non, là où je suis. C'est un peu. C'est quoi la touche pour te déséquiper de ce que t'as en main? X. X. Merci. Rocher ramassé. Ouais. Là, c'est le rocher. C'est le rocher. Oh oh. Je viens de casser quelque chose dans la forêt avec des rochers. Oh, la forêt. Non, c'est trop marrant. Je peux encore en jeter si je veux. Moi, je vais voir pour continuer le chemin. J'ai vu qu'il y avait une suite au niveau de la baraque du pareil. En haut, j'ai déjà été, c'est à quelqu'un qui a déjà tout fouillé. Et je crois que c'était Gêne. Était jeune. Hein? Moi, je vais aller voir ce que j'ai cassé en balançant des rochers. Moi, j'ai rien fouillé en haut. Ah si, dans la baraque, oui, mais... Faut pas autre part, en fait. Il oui, y a de la corde partout, mais on peut pas la prendre, tu te fous de moi. Mais il me semble que celle de l'étang de pêche, tu peux. Mais je sais plus où est l'étang de pêche. J'ai trouvé la main au passage, hein, je suis dessus. T'es gêne. Je vois. Mais il est trop petit le crâne. Bah c'est toi qui m'as demandé où était la main. Mais je pensais que... Bah... Ah c'était pas l'autre statue? Il y avait une autre statue montée d'une statue qui portait un crâne. Enfin, qui portait une tête de singe. Alors, j'ai un problème. Ah bah celle-là. Bah, j'ai retrouvé la statue que j'ai tirée. Je sais pas où a été le rocher que j'ai tiré. Ah. Problématique ça. T'es gêne. Viens vers la falaise de la montagne. Pourquoi? Parce que tu vas aller monter tout en haut et tirer un rocher et moi je vais le suivre. On va encore vers la montagne. Parce que je sais que ça explose quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà, tu montes la montagne là-haut. Toujours plus les frises. Tu dois aller tout en haut. Tu dois récupérer un rocher sur le côté où il y a écrit Don't Touch, le poser sur la croix. Et réappuyer encore une fois pour pouvoir tirer. Ok. En 3 étapes. Sympa la chaloupe. Hein. Oui, je l'ai vu la chaloupe aussi. Mais il n'y a rien dedans. Ah. Et nous, on va suivre le rocher. Faire pivoter. Je peux faire pivoter. Ouais, tu peux le faire pivoter cette conne.
C'est sais chiant. pas, il y a un rocher, Attends, un bout de bois et on peut faire que. j'arrive. Je ne l'ai pas fait pivoter, moi. Je pensais qu'on pouvait pas. Et je sais alors, ça veut dire si on peut le faire pivoter, je sais sur quoi tirer. Sur la statue. Sur celle, ouais, où il y a la statue en haut, ouais. Pourquoi ça Le petit sauvegarde pas rocher. le truc que je fais, putain? Arrive pas, quoi. Si, on peut. Attends, il faut que je regarde déjà vers. Où est la statue en fait? Là, je la vois. Oui. C'est bon, on est pile en fait. Parfait. D'ailleurs, tu peux aller à la statue si tu veux. J'y suis. Je vais monter et tirer. On doit pas faire tirer le rocher. Ah non, Si, ok. si, si. C'est encore en haut, je t'ai dit tout à l'heure. En dessous. Oh, je voulais me mettre dessus, quel dommage. Touché. Bien, ouais. Oh putain! Vas-y. Tu t'es pas fait écraser, j'espère. Si. Vas-y, cette âne, hein. Vas-y, refais un Ah. coup. Je suis déjà redescendu, hein. Oh, t'es déjà descendu. J'ai pris la tyrolienne, moi. Et on en fait quoi de cette tête? Eh ben, on la met dans les mains. Ah ouais, je crois que c'est dans la main. Également. Bien par là. La main. El famoso mano. Ok, attends, je me suis arrêté parce que je sais que tu peux pas courir. C'est peut-être là. Ok, il nous faut les deux autres pour avoir le poids suffisant. Ah, Oh. je suis trop maigre. Il s'est passé un truc. Mystère de l'idole du singe. Deux Les singes. idoles. Des oui, pardon. On va Ok. y arriver. Point de sauvegarde de la fable, ça c'est bien. Bon, il est où déjà les temps de pêche? Normalement, il y a un maison de pêche. Je l'ai perdu. Y a des rames à récupérer déjà. Main libre. Alors, cacher la clé gnagna. Main libre peut déterrer les rames. Ah, ils nous ont considéré comme le truc perdu? Ouais. Tiens, enfin. Ah bah. Bonjour, monsieur le crâne. Main libre. On peut pas. Attends. Aurait été assez fou pour faire. Genre, il faut avoir les mains libres à côté de la chaloupe pour déterrer le truc. Et non pas la pelle. Main libre, moi je vois une statue avec des mains libres. Où je vais en venir? Alors, littéralement derrière toi. Ouais. Va monter sur cette échelle. Non, j'ai essayé tout à l'heure. Ce statut-là, moi je vois pas de truc avec des mains libres. De toute Là, j'ai un petit étang. façon, même la Pour mon chaloupe, je sais même que pas où j'ai elle mis est. tout à l'heure. La chaloupe, t'es passé à côté, au bord de la falaise. Ah bon? Vous savez qu'on avait loupé des boîtes de céréales? Non, mais tu vas nous dire où et tu vas chercher. Bah, dans le Simonki, en fait, il y avait une autre armoire. Ok. T'as tout fouillé et ouvert? Enfin, Tu vois?
Ah, on a un nouveau jouet. Tête miniature. Une tête de pierre de miniature, quel cadeau étrange. Un libre. Rame requis pour la chaloupe. Ah oui. Voilà. Au monocle de l'amiral, let's go. Oui, c'est bien, on sait même pas à quoi ça sert. Voilà. Pose-le sur le truc où il y a la longue vue que j'avais déterré. Est-ce que tu peux le poser dessus? Ah, pour la plage? Ouais, pas con. La flemme d'y aller, vu que t'es à côté, autant te laisser y aller. Bah de base, j'étais là pour des munitions. Chercher clé de la palissade dans le cratère inondé, on l'a fait ça? Ben oui, on l'a ouvert la palissade. La palissade, c'est là où il y avait le canon. Mais main libre pour, peut déterrer les rames. C'est ça qui nous manque en fait. Parce ben que là, la chaloupe, ils nous disent clairement qu'il nous le manque. Le monoc ne marche pas dessus? Voilà. Voilà, je crois plus juste le dire. Il fonctionne pas quoi. Pas sur ça. Non. Un truc en rapport avec les mains libres. Oui, le support de la ligne. Les animaux. Un faux monop qui est utilisé pour les workers pour une allure polie à soi. Ah, super. Quoi? Le Klebs de Winter, il s'est barré. Ah merde. Du coup, c'est pour ça qu'il est pas encore là. Ok, je comprends. J'espère que vous le retrouvera rapidement. Un libre. Moi bon, les mains libres, je vois que la statue, parce que sinon je vois pas ça fait référence à quoi. Ben il y a deux mains libres, il y a la grosse main libre, mais elle est solo alors que main libre c'est écrit au pluriel. Après ça peut être nos mains libres pour déterrer les. GG. Non, il a été dit, il est réapparu au moment. Pourquoi ils veulent pas rester là où ils sont, les amis? Au moins, si on les perd, on. C'est vrai que la clé du coffre de Chapman, on l'a toujours pas aussi. Tonneau fissuré et ils nous disent que quand on fout dedans ça pique et ça coupe.
C'est pas bon ça. Oh mec. Oui. Là où on a enfermé Hapman, là, dans son piège. Mais il y a, en fait, on peut tirer sur le piège. Encore. Oh. Bah autant le faire. Ah, je peux le... C'est pour lui fouiller les poches. Ah bah nickel alors. Vas-y, fais-lui la peau. Peux Vas-y, le faire à flash. plusieurs reprises. Non, ça c'est une bouteille. J'ai la clé. Je vais ouvrir mon coffre. Une note. Carte de la chaîne. Bah voilà. Ah ok, on C'est a les toi, t'es la détails. chaloupe. C'est fichu pirate, cette fois-ci j'ai été plus rusé que les autres, j'ai enterré mes rames de chaloupe et en prime j'ai trouvé une cachette ingénieuse pour dissimuler l'instruction. J'ai quitté le camp et traversé le pont par-dessus le ravin. J'ai tourné à gauche et dit bonjour à monsieur Côte de Port. Alors attends, je passais par-dessus le ravin. C'est C'est bon, j'y par suis. là. Ok, hop. Je me suis pincé le nez sur le chemin, fleur qui pue. Ce Côte de Port, il est là-bas. Fleur qui pue. Celle-là, ouais, je crois. Okay. Il y a deux fleurs, en fait, il y en a La aussi à gauche. statue a essayé de me donner des ordres, mais je n'écoute pas les singes, alors j'ai continué. Là, les fleurs qui puent. Je suis J'en ai passé devant aussi le là, tonneau, mais j'ai pas jeté un œil à l'intérieur. Cette pieuvre me fout la trouille. là-dedans. Ouais, Et dans c'est ce celui-là. tonneau, c'est coupant et ça pique. C'est l'autre. Okay. Je suis resté incrédule devant ce que les pirates ont fait. Mon échelle volée, elle est cassée à présent, mais elle m'a aidé à trouver ma route. Elle est là. Je suis resté sur le chemin en surveillant l'heure. L'ampleur. Non, l'autre, l'autre, l'autre. Et près Bah à non, gauche, c'est... devant ça le c'est une pavillon du boussole, hein. Simonki. Ça c'est une montre. Ah oui, pardon, je l'ai pas vu. Je suis Près à passé près à gauche gauche. devant le pavillon du Simonki pour me faire un dîner au poisson. Mais je n'ai attrapé que de la camelote, voilà mon secret. Une canne à pêche à droite. Et là, il y a une botte. Pour retrouver mes rames, tournez-vous face au pavillon du Simonki. Choisissez la voie de la boisson qui ne vous fait pas tomber dans les vapes. J'y suis presque. Le simon qui est par là-bas. De la boisson qui ne font pas tomber dans les vapes. J'ai deux boissons là. Trois boissons. Bon bah celle qui va nous faire tenir. Bah, Bah concrètement, faut celle-là. toutes les tester. Ok. Ah ouais. Tester celle en face de moi. Chope Ah de mais Dan attends, et mais de j'ai... Ah attends. Grog. Grog, presque Grog et l'autre. Presque grog. Ouais. Lequel? Attends. L'autre, Chope celle-là, de marin de là, grog. celle que j'ai. Donc c'est elle qui fait pas tomber dans les vapes. Creusez là où mes vêtements sont en train de sécher. Putain, non mais sérieux. J'étais à côté tout à l'heure. Pareil. Vas-y, je vais creuser. Et voilà. Allez, la chaloupe. Ouais, en fait, c'était concrètement à côté de la chaloupe, quoi. Ouais, Oui. au final, on est re... super endroit Oui. secret. On aurait pu faire toute l'île. On aurait fait toute la dame, mais on aurait fait. Putain, mais quelle force, Pierre! Ouais, t'as vu ça? Mon dieu. Musclor. J'ai pas encore fétiche, moi. Allez, tiens, c'est toi qui rame pour la peine. Alors, au moins j'ai les bonnes notes. Ne vous inquiétez pas, on risque On peut-être doit aller où d'écouler. avec la chaloupe déjà? Je sais pas. Moi non plus. Vérifier les pièges, je crois, de mémoire.
On laisse peut-être de couler, hein. Utiliser le chalot pour vérifier cage. Donc il y a une cage qu'on ne fait accéder que ça. Continue, continue, hein, tu peux toujours pas aller par là-bas. Oh putain, la bouffe qu'il y a dans la chaloupe. Il avait faim, hein. Tiens, il m'en fallait en plus, tant mieux. La cage. Quelle cage? Là. À gauche, à gauche. Faut qu'on aille sur la gauche, vas-y, continue. Enfin, lui, on peut le choper, du coup. Vas-y, je le prends. Non, pas ça, ça. Je l'ai. Ensuite, on va suivre. Attends. J'ai caché l'idole de mon équipage dans les environs. Là-bas. Adieu la chaloupe. J'ai l'impression que c'est là. Je l'ai. La bouffe. C'est à l'envers. Non, regarde. Regarde, c'est ce trou-là. Et quand tu te mets là comme ça, t'as exactement le même truc. Oui. Et celui-là, voilà. Bon, je vais aller placer l'idole. Mais ça change toujours pas le fait qu'on n'a pas. Pour la troisième, ouais. Il doit nous manquer des infos. Bon bah on va devoir fouiller la ligue de foot de Fontainebleau, c'est ça. Déjà il va falloir que je retrouve la main. Oui. Maintenant il nous faut de la ficelle. Yes. Verrouiller carte vers endroit secret dans le coffre. Voir s'il reste chose à récupérer sur Simon Key, laisser sécher les meubles sur plage, cacher autre affaire en haut arbre, voler les plages, scruter la présence de manière de sauvetage, retour au camp, remplir le piège. Verrouiller carte vers endroit secret dans le coffre. Ok, oui. Quoi? Je crois ça. Donc, faut aller à la plage et faut chercher dans les arbres maintenant. Il n'y a plus que ça à prendre. Pourquoi? Parce que quand tu dois fouiller, hein, tu fouilles dans le Simon Key, t'as le truc, le monocle, et après, faut regarder sur la plage, il dit.
J'ai rien compris. Moi non plus. En gros, dans le livre, il dit voir s'il reste chose à récupérer sur Simon Key. Et après, il dit laisser sécher meubles sur place. Bah, faut aller à la plage du coup. Vu que j'ai récupéré ce qui restait dans le bateau, dans l'épave. Une grande plage sans rien pour le moment. Salut Carlito! Salut. Ah oui. Là, il y a des meubles. Non, Oula, c'est pas alors bon. Carito, ce genre de truc, on n'en parle pas ici, s'il te plaît. Direct les questions qui passent. Ah, putain, c'est... Bon, ça doit être sur l'autre plateforme parce que moi je le vois pas tomber ça. Non, c'est sur Twitch. C'est le monde de la nature, Je vois rien. de l'univers, pas de Non, j'ai fait tout le chemin, j'ai rien trouvé, à part ces meubles-là, là. On dirait que cette arme dit ce truc cool, là, avec un crochet rose, c'est vrai que c'est vraiment un peu maintenant que je l'ai ramené à Voyez terre, placer pour quelque chose ici. à ma manière, je vais pouvoir me servir de certaines parties pour en salver tout. Je vais chercher le crâne. J'ai déjà essayé, mais non, non, en tout cas. De placer le crâne là-dessus. Ouais. Le crâne dans la Il... cage. Ouais, le crâne de Goldtooth. Moi, il manque une noix de coco. Ah, mais attends. Non, je pense savoir. Il nous reste de la graisse, non? Et tu te souviens les trois pics où on pouvait pas les enlever? Je vois que ça, personnellement. Je vais aller chercher la graisse. Et je vous dis si ça fonctionne. Honnêtement, je vois que ça, hein. C'est dommage qu'on puisse pas utiliser la tyrolienne à l'envers là. Ça Mais me ça retapait tout risquait. le putain de chemin. Ouais, mais ce serait pas logique. Et des pirates, on n'est pas des pirates, on peut remonter les cordes. Eh, t'as pas tort. Je sais même plus où sont les... J'étais au son, moi, t'inquiète. Ok, j'ai le demi-pot. Vers là, J'ai trouvé. j'arrive. En fait, en cherchant les pics, je suis tombé sur le fameux truc des arbres. Et moi, je viens de trouver pour graisser le pieu et récupérer le crâne. Maintenant, juste pour l'enlever.
J'appelle. Je pourrais placer quelque chose ici. Ça va être le crâne doré. Crâne doré. Ah ouais, je vais utiliser l'or du crâne doré pour faire refléter ou quoi? C'est ça. Je sais pas, j'ai placé le crâne, mais... J'apporte un monocle. Vas-y, donne-moi le monocle. Si je suis un peu loin. Oui, il faut utiliser peut-être ça, le monocle. Hein. Peut-être. Bah, à mon avis, à part sur ça, je vois pas pourquoi ça peut servir. Ça permettra de refléter, à mon avis. Bah, je pense qu'il y a que ça. Hein. Bah, je pensais que c'était sur le près du miroir, mais vas-y, près du miroir, ça fonctionne pas. C'est petit, hein. Juste me le donner, t'es au courant. Ouais. Un peu petit pour un monocle. Hein. Non. Attends, dis-moi pas que... Pas que ça. Non, j'essayais genre mettre le monocle au-dessus et voir si ça pouvait brûler avec le rayon du soleil. Mais non. Je comprends pas ce qu'on doit faire. Donc les noix de coco, ça fonctionne pas. Je pensais à un truc. Et si Gold Tooth fallait pas le déplacer au premier là où il y a les premiers crânes. Je vais reposer ça et je vais aller voir un truc parce qu'il y a un truc qui m'étonne. Vous vous souvenez la première longue vue qu'on avait trouvée là? Il y avait les pattes de singe. Est-ce que l'un de nous les a suivies ou pas? Vite fait. Donc non. Attends, je suis plus près, je vais y aller. Vas-y, vas-y. Parce qu'il nous manque une longue vue en fait. Bah la nôtre. Non. Sur la plage, il manque une longue vue. Ben oui, pas ben, la nôtre, peut-être. J'ai non. Déjà essayé. Eh, ça va, oui. Ouais, c'est ça la clé. Il y a bien un truc? Ouais, mais elle est fissurée. Ah ben le monocle que j'ai laissé là-bas. Ouais. Pourquoi tu vas à l'envers? Tu l'as mis où le monocle au pire? Je vais le chercher. Ok. Bah moi je vais remettre le touffe là-bas. Je vais mettre la longue vue dessus, je pense, Pierre. Moi je vais chercher le monocle. Et c'est là que la comment s'appelle la noix de coco, il faut la mettre à la place du capitaine, comme Wilson dans avec bon vieille référence, mais bon.
Non, après je déconne, hein. Je pense que... Voilà, Salomon. J'avais perdu dans ma tête ce que c'était le nom. Ça s'est un peu vu, je crois. Si, c'est ça. Ramène le crâne. Le crâne ou la... Les deux. La... Votre coup. Le crâne, c'était Gênes qui l'avait. Le crâne et le monocle. Ouais, le crâne, c'était Gênes qui l'a. Ouais. Moi, je ramène le monocle. Ouais, situation périlleuse. Qu'est-ce que t'as fait encore? Tombé. Tombé quoi, dans le ravin? Ouais. Bah, tu okay, remontes. Tu... J'ai le don pour me foutre dans des situations à la fin. Ça change un peu d'habitude. Tombé là, tombé. Tombé la chemise. Tombé la coquine, la chemise. Un épisode de One Piece sur Netflix coûte 180 fois plus cher qu'un épisode de l'anime. Miskin. Bah, c'est normal. Il y a des acteurs, il y a des décors, il y a des monteurs. Alors qu'un épisode animé, c'est du dessin. Ah non, tu vois, on peut pas le placer. Ramène le monocle. Je ramène le monocle. Donc c'est normal en fait que l'épisode soit plus cher. Non? Oui. Par contre, pour Chopper, ils refusent le CGI, ils veulent faire comme pour les hommes poissons. Ah. Ils vont prendre une personne à la verticalité contrariée, ça veut dire? Ah. Oh ouais, ça t'aide. Et si. Servi. Bah, donne Pierre, on sait où faut le mettre. Ok. Et ben. Ah, attends. Ouais, on peut la bouger, je pense que c'est ce qu'il faut faire. On peut la bouger. Ah non. Par contre, il me montre un truc pile poil. Ok, j'ai compris. En fait, il y a les autres pics là avec le crâne là-bas. Le crâne simple, tu l'as ou pas, Tégène? Quel ça hein? Le crâne. Bah, j'ai celui de Gold Tooth. Viens là. Mais on a essayé, il y a même pas 10 minutes. Sur ce pic là? Vraiment 2 minutes.